Merci pour ce mois nouveau. Merci de ce mois soit pour nous un mois de joie, un mois d'allégresse. Parce que tout ce que tu nous donnes concourt à notre bien. Et c'est ce que ta parole nous dit et ta parole est la vérité. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 En tout cas, bonjour à nous tous. Et bienvenue ici dans la sainte présence du Seigneur. Amen. Hein? Quand on quitte nos maisons, nous venons dans des lieux comme ça. Le seul but, c'est qu'on va à la rencontre du Seigneur. Or, il est écrit que là où les gens, deux ou trois, ou plus, s'assemblent au nom de Jésus, il est là. Amen. Hein? Il est présent. Et Jésus, quand il est là, sa présence est toujours active. C'est-à-dire qu'il vient pour faire des choses. Il vient pour te bénir. Il vient pour te parler. Il ne vient pas, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour rien. Alors nous le disons une fois de plus encore, merci. Et nous voulons aussi bénir notre Dieu pour le bien-aimé qui sort sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse, maman, qu'il te fasse beaucoup de bien. Amen. Nous sommes toujours dans la période de Pâques. Je dis et je leur ai dit que Pâques, ce n'est pas tout simplement le dimanche, j'espère. Pâques, c'est l'inauguration d'une vie nouvelle dans la vie des chrétiens. Donc, après cette célébration, tous les jours, nous sommes à Pâques. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné comme thème pour notre message, Jésus, le Christ, le Dieu de la restauration. Amen. Amen. Jésus est le seul et l'unique Seigneur qui peut nous restaurer, qui peut nous réhabiliter. Quand on utilise le verbe restaurer, réhabiliter, d'abord, cela suppose qu'il y avait quelque chose qui était bien. Et puis ça s'est abîmé. Quand la chose ne s'est pas abîmée, on ne peut pas parler de la réhabilitation dans tous les domaines. Il peut y avoir une vie qui a été abîmée par la maladie. Il n'y a que Jésus qui peut restaurer. Il peut y avoir une vie qui a été affectée par la souffrance. Mais non, dans l'église, nous sommes en deuil. Nous pleurons une maman qui est décédée. Mais il n'y a que Jésus qui peut restaurer. Voilà pourquoi les gens qui avaient compris cela, les gens comme le roi David, quand il a composé un chant, un cantique qui fait partie des cantiques les plus connus, intitulé le psaume 23, il dit quoi? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai quoi? De rien. Parce qu'il est celui qui me conduit toujours vers les verts pâturages. C'est lui qui me conduit vers les sentiers de la paix. Et au verset 3e, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui restaure quoi? Mon âme. Restaurer l'âme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Nos sentiments, nos émotions. C'est dans l'âme qu'on retrouve tous nos soucis. Vers où toi tu vas lorsque tu es abîmé? Lorsque tu ne retrouves plus ta route, Jésus, le Christ, est le véritable et le seul Dieu de la restauration. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Pourquoi? Parce que vous savez, nous les humains, tu peux vivre avec quelqu'un. Essaye de faire à la personne 100 millions de choses. Bon. Mais le jour où tu feras l'unique et petite chose, l'homme peut tout oublier et l'homme peut t'ignorer. Mais c'est lui qui ramasse ceux qui sont tombés, c'est Jésus. C'est lui qui redresse ce qui est prouvé, il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il va nous le montrer dans ce message, pour qu'après ce message, toi et moi, nous qui voulons aussi vivre Pâques, nous puissions, lorsqu'il y a des choses qui ont même vieilli, parce qu'on peut restaurer lorsque quelque chose a pris de l'âge, ça a pris des rides. Quand Jésus nous restaure,
nous retrouvons une seconde jeunesse. Amen. Vraiment que Dieu aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Parce que je sais que si un chirurgien spirituel pouvait lire dans le cœur, je sais qu'il y a, nos âmes sont abîmées. Nos sentiments, parfois, on se pose des questions, faut-il encore vivre? Quand on voit comment est-ce que le monde est méchant, quand on voit parfois, lorsqu'on cherche à faire du bien, très souvent on récolte le mal. Parfois on se pose des questions. Aujourd'hui, Jésus te dit, le seul, l'unique, qui peut te remettre dans ton état, et même mieux, il n'y a que Jésus. Acclamons très fort pour ça. Jésus qui est sur les arbres. Même pour le voir, je vais nous demander de tourner nos Bibles dans l'évangile selon Saint Jean. Nous allons lire 3 versets. Jean, dans son évangile, c'est le 4e des évangiles, nous allons lire dans son chapitre 21. Jésus le Christ, le Dieu qui réhabilite. Ma prière à moi, c'est qu'il puisse, que ce message puisse t'aider, puisse m'aider, puisse nous aider à imiter cet exemple dans ce message. Pour que là où toi tu es perdu, tu puisses te lever. Jésus, le Christ, le Dieu de la restauration. Jean, évangile selon Saint Jean, le 21e chapitre, verset, et nous lisons les 3 versets, 15e. 16e et 17e. Et il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, il y a eu un dîner, je vais en parler. Qu'ils eurent bien mangé. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit donc Simon-Pierre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et pour la troisième fois, verset 17e, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, parole du Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu qui nous restaure. Et vous voyez même d'ailleurs que dans trois versets, Jésus pose à la même personne. Il pose avec insistance la même question à Pierre. Une question étonnante. Parce que Pierre, ça n'est pas n'importe qui. Pierre fait partie des disciples qui étaient dans l'intimité de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans ton intimité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te voit dans les moments forts et dans les moments qui te faiblissent. Pour que tu puisses reconnaître que ça, c'est mon intime. C'est lui qui te montre ses faiblesses, mais ses qualités. Amen. Amen. Jésus, très souvent, il est écrit qu'il marchait avec beaucoup de gens autour. Il y avait la foule, il y avait les 70 disciples, mais il y avait aussi les 12 apôtres qu'il avait choisi parmi les disciples. Mais parmi les 3 disciples là, et les 12 là, 3 apôtres, 12 apôtres, il y en avait 3. Pierre,
Jacques et Jean. Cela, il les a menés partout. C'est là où on vit le Seigneur faire des exploits, des grands exploits. C'est là où on vit le Seigneur dans sa faiblesse dans le jardin. Les trois. Il était avec lui. Quand ils ont vu le Seigneur, quand ils priaient, mon Dieu, peux-tu oublier? Ça, c'est un moment qu'on peut dire. Un moment où le Seigneur était dans un mauvais état. Je vais dire la chair. Pierre et Jean étaient là. Ils ont vu le sommet. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été transfiguré à la montagne, Pierre était là. Pierre est parmi les hommes, ceux-là qui n'ont pas vécu à l'époque de Moïse, mais qui l'ont vu à la montagne. Mais ici, le Seigneur le pose, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, il lui propose la même question. M'aimes-tu? Cette question est étonnante. Donc derrière cette insistance, il y a des messages que le Seigneur veut te donner. Il y a des messages que le Seigneur veut nous donner. Pourquoi? Parce que j'ai dit, la question est étonnante. Parce que d'abord, il ne demande pas à n'importe qui. Et Pierre, même quand vous voyez que la troisième fois, il a été gêné. Mais c'est parce que il a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Lorsque tout le monde avait peur sur le bateau, sur le lac, la mer de Galilée, qu'il passait de fantôme, je suis celui qui avait plus le courage pour lui dire, Seigneur, si c'est toi, je viens, j'ai marché sur les eaux. Lorsque nous avons péché, l'avons vu, on a toute la nuit, on n'a rien d'attrapé. Et je suis celui à qui il a dit, avance à l'eau profonde. J'ai fait, mais comment le Seigneur? Chaque fois que le Seigneur dit quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Pas seulement pour Pierre, mais pour toi aussi. Amen. Parce que ce que j'ai dit ici, tu l'as déjà entendu. Mais aujourd'hui, pourquoi il dit? C'est qu'il a des raisons à te donner. C'est qu'il a des raisons à te donner. C'est qu'il a des raisons à te donner parce que nous savons que la question est étonnante. Parce que Jésus est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Jésus de lui-même, il savait si Pierre l'aimait ou pas. Mais alors, pour quelle raison lui pose-t-il la même question? Et pour quelle raison insiste-t-il? Et il est dit trois fois, bibliquement, quand on parle du chiffre 3, c'est pour montrer que ça a été, Jésus est resté dans la tombe trois jours. Ça a un sens. Ça, ce n'est pas nul. Ici, cette insistance qui fait que, surtout parmi toi, nous qui sommes ici, ceux qui ont déjà entendu ici, à Pierre, peut-être il a dit trois fois. Toi, tu écoutes ça plus de trois fois. C'est qu'il y a un piège. Parce que cette petite question, Pierre, m'aimes-tu? Chacun d'entre nous peut placer son nom. Si on te la pose. Si aujourd'hui toi tu dors. Si aujourd'hui comme on est là, tu écoutes, tu es à l'église, tu as loué, tu adores, tu aimes Jésus, tu le fais. Imagine-toi que maintenant, Jésus te parle. Même tu. Quelle réponse seras-tu capable de lui donner? Pas. Vous savez, c'est plus simple de dire à quelqu'un je t'aime. C'est très simple. Mais l'amour, ce ne sont pas des mots. L'amour, ce sont des actes. Amen. J'ai vu dernièrement, et je voulais avouer ça, mais j'ai oublié, un couple. Je crois que c'est ici à Belgique ou en France. Un jeune couple. Chic. Des costumes de mariage. Ça, ce sont des costumes de cérémonie qui coûtent plus de 1000 euros. La mariée, c'était peut-être une robe de, je ne sais pas, 5000 euros. Je ne sais pas quoi. Chic. Avec des filles d'honneur, super. Ils rentrent dans le culte. Tout le monde qui est au loin, il dit ça fait le grand amour. Mais à l'issue du culte, j'ai des images. Si j'avais l'écran, je le vois. C'est une bagarre terrible. À l'issue du culte, c'est la famille de l'homme et la famille qui se jette de fleurs. Les bouquets de fleurs qui étaient venus, qui manifestent. Parce que l'amour, ce ne sont pas des fleurs. Amen. L'amour, ce sont des actes que nous posons.
Travailler dans la vigne, c'est très, très, très important. Surtout pour nous chrétiens. Nous faisons beaucoup de confusion. Jésus ne pose pas ici la question à Jésus, à Pierre. Est-ce que tu crois en moi? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Parce qu'on peut croire en quelqu'un. Parce que croire en quelqu'un, c'est espérer surtout quelque chose de la part de quelqu'un. On peut croire en quelqu'un sans l'aimer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je crois que mon patron va me donner beaucoup d'argent. Et peut-être je peux croire comme ça, il me le donne. Mais je peux, il peut être méchant, entre guillemets. Je ne serai pas en train de te dire que je le déteste. En tout cas, je peux ne pas l'avoir vraiment. Il peut ne pas avoir une place d'honneur dans mon cœur. Amen. Attention, ici, la question, même tu, il ne demande pas, crois-tu en moi? Non, 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 non. Parce qu'il le sait. Ce que Jésus cherche entre nous, l'Église, et lui, c'est plus la relation d'amour que la réaction. Oui, quand tu aimes, tu crois automatiquement. Mais quand tu crois, tu ne dois pas nécessairement. Nous travaillons beaucoup pour croire la parole. Nous croyons, nous travaillons beaucoup pour que nous croyons en Jésus et en sa parole. Mais nous travaillons peu pour l'amour. Voilà pourquoi, très souvent, du point de vue de l'amour, Jésus nous pose cette question. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui est ici, toi qui écoutes cette parole, toi qui vas l'écouter même sur les réseaux, aimes-tu Jésus? Tu crois, il le sait. Il te repose la question. Il pose la question parce qu'il sait qu'il y a une différence entre croire et aimer, mais aussi parce qu'il sait une chose. C'est que dans la vie, beaucoup d'entre nous ici, nous avons la bonne volonté de faire de bonnes choses. On veut faire très souvent de bonnes choses. Qui ici, si on dit qu'il a envie de faire du mal, de faire du péché, il dit oui, personne. Et il est sincère. Et pourtant, ça nous arrive de faire du mal. Et nous sommes sincères. Pourquoi? Parce que, vous savez, beaucoup de gens croient que quand il a la bonne volonté de faire quelque chose, ça suffit. Non. La bonne volonté n'est qu'un départ. Et nous allons voir ici que Pierre avait beaucoup de bonne volonté. Mais il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que la nature humaine, la chair comme on dit, la vie que nous vivons sur cette terre, si spirituelle que tu sois, la chair a ses limites, il a ses faiblesses. Combien de fois tu t'es retrouvé dans une situation où tu dis, ah, mon frère, même toi, ce n'est pas le frère. C'est la chair. C'est la nature humaine. C'est la faiblesse qu'il y a dans son âme. C'est la faiblesse qu'il y a dans ses sentiments. Tu ne sais pas ce qu'il traverse à ce moment-là. Il espérait ce moment-là avoir. Il a été trahi. Ou il a failli avoir des choses. Et lorsque tu as vécu une trahison, et si quelqu'un vient à ce moment-là t'aborder surtout méchamment, il risque de sortir de ta spiritualité. Ça, c'est ce que nous allons aussi voir. Je répète, les points clés. On n'a pas encore touché au texte. 1. C'est bien de croire en Jésus. Et de surcroît même. Parce que le message, on le voit ici. Jésus dit, si toi tu m'aimes moi, comment peux-tu prétendre m'aimer moi que tu ne vois pas? Si tu n'es pas capable de manifester cet amour envers lui-même. En d'autres termes, ce que nous parlons ici, ça ne peut être vrai envers Jésus que lorsque nous le manifestons envers qui? Envers ceux en qui nous vivons. En gros, voilà pourquoi je dis la bonne volonté pour faire du bien à quelqu'un, elle est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Beaucoup de gens, nous avons été déçus. Ah, je croyais que j'allais faire ça. Oui, mais tu avais la bonne volonté. Mais il faut autre chose. L'autre chose qu'il faut, c'est quoi? C'est que, tu dois savoir que la chair, tu dois être capable de la traiter durement. Tu dois être capable de la contrôler. La chair que nous voyons, que nous portons ici, est un ennemi à nous. Elle ne nous veut aucun bien. Tu as envie, toi, de jeûner. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là où, déjà depuis 6 heures, tu dis, si j'arrive à 8 heures, je vais mourir. Tu as une faim de nous. Tu as l'impression que tu vas avaler tout un tonneau de fou. Alors que c'est faux, c'est la chair. Parce que nous avons des émotions qui peuvent avoir été blessées.
Voilà ici pourquoi est-ce que le cantique de David, le psaume 23, il dit, c'est lui qui restaure mon âme, pour dire qu'il est le seul qui peut apaiser le cœur, qui peut effacer nos émotions, qui peut nous enlever de la colère. Et puis, j'ai dit que la bonne volonté ne suffit pas. J'ai dit que nous devons aller, mais aussi nous devons attacher à cette faiblesse. Nous devons savoir aussi que pour avoir tout ce qu'on veut avoir, toutes choses ici, il y a un prix que tu dois payer. Amen. Hein? Et quand on parle du prix, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Le prix, c'est qu'il y a des sacrifices. Paul, j'aime beaucoup la citation de Paul. Il dit, moi, je n'ai pas vécu avec le Seigneur Jésus dans la chair. Comme les Matthieu, les gens ici, les Jacques, les André, les Barthélémy et autres. Mais moi, je l'ai eu par révélation, pour moi aussi, la révélation de la parole par le Saint-Esprit. Mais parce que j'ai travaillé plus que les Matthieu, l'onction de Dieu sur moi a été plus grande que celle des Matthieu. Toi aussi aujourd'hui, tu peux travailler et avoir plus que Pierre et plus que Paul. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir. C'est lorsque tu connais quel prix. Il y a le travail, il y a les sacrifices. Beaucoup ils veulent avoir des tas de choses, mais ils travaillent moins. Il n'y a aucun domaine de la vie. Même si tu as un talent fou, tu travailles moins. Le travail, c'est comme une semence que j'ai à terre. Moins tu travailles, plus tu vas récolter. Moins tu te sacrifies. Combien de fois? Aujourd'hui, l'église, c'est un peu difficile. J'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que le but de ce message, c'est que dans tous les domaines, les chrétiens, ils croient. Parfois, en disant, ça peut paraître comme si je néglige l'importance de la prière. Oh, mais pourquoi? Mais pourtant, j'ai prié. La prière a sa place. Mais il n'y a pas que la prière dans la Bible. Quels sont les sacrifices que toi, tu fais pour traiter durement ta chair? Cite-moi des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Je dis bien. Mais que tu as peut-être cessé de faire tout simplement à cause de l'amour avec Jésus. C'est très important. Et c'est ce que ce texte ici, que nous allons bientôt analyser avant de passer à la Sainte-Seine, va nous aider à comprendre. Beaucoup ici, on va aller loin avec Jésus. Beaucoup ici, nous voulons que Jésus accomplisse beaucoup de choses. Et ici, Jésus choisit l'exemple de l'apôtre Pierre. Parce que lorsque nous lisons parmi les douze, celui dont la nature ressemble beaucoup à la nôtre, pour moi c'est Pierre. Quelqu'un que le Seigneur veut utiliser ici pour que tu puisses te voir toi comme dans un miroir. Pour que tu puisses examiner son parcours. Et que tu puisses toi aussi aller plus loin. Nous allons voir que Pierre a fait des exploits. Pierre a fait des exploits avant, il a marché sur les eaux. Avant, j'ai cité ici qu'il a fait, parce que je peux dire encore qu'il a vu les Moïse. Et qu'il a fait la pêche miraculeuse. Qu'il a même vu beaucoup d'exploits que le Seigneur a fait. Il a vu, Pierre a vécu la multiplication de pain. Mais après, le Pierre restauré, le Pierre à partir des actes, n'était pas seulement capable de marcher sur les eaux. Pierre est le seul dont on dit, quand lui passait, son ombre guérissait. Vous voyez l'onction qu'il a eu après la restauration? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent que pour. Ici, nous, on prie, pasteur, impose-moi les mains. Et l'onction, après la restauration de cet homme, était que, quand lui, si toi, tu es dans ces environs, si tu passes à côté de ce homme, lui, tu es guéri sans qu'il s'en rende compte. Pierre est celui qui, le jour où le Saint-Esprit est arrivé dans la côte, on va fêter cela dans un mois, le 4 juin, le premier dimanche du mois de juin, si je ne me trompe pas. On dit que, alors que tout le monde avait peur, lui a fait un discours qui a donné naissance à l'Église. Amen. Il n'avait peur. Quelle peur était pêcheur qui commet des péchés, pêcheur de celui qui pêche les poissons. Amen.
fils de pécheur, allez petit fils de pécheur. Mais regardez que cet homme, quand il a parlé, même le juste était là. Il dit, mais on connaît cet homme. Il n'a pas une grande destruction. Il est galiléen. Mais comment peut-il? Il était devenu plus que les brillants avocats du monde. Ça, c'est ce que tu peux devenir. Vous savez, quand on restaure, quand une maison, quand on prend un appartement, quand tu viens pour visiter un nouvel appartement, tu vois qu'il est beau, n'est-ce pas? Mais tu ne le laisses pas comme ça. Lorsque tu mets du papier, lorsque on embellit, restaurer, c'est embellir. C'est faire encore plus beau qu'auparavant. Voilà pourquoi nous allons voir que malgré les miracles, toi et moi, nous avons besoin de la restauration. Et nous voulons que cela se passe. Je dis donc que Pierre a été choisi pour sa vie, ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Et ici, Jésus, le jour où il a eu cet entretien, cette interview, cet entretien avec l'apôtre Pierre, ça correspond comme deux couteaux à un dimanche comme celui-ci. Mais il y a plus de 2000 ans. Parce que c'était exactement le dimanche, le deuxième dimanche après la Pâque. Le second dimanche, comme aujourd'hui. Je crois que la Pâque, on a eu le 17. Nous sommes le premier mai, c'est exactement le dimanche. Donc il y a 2 semaines, c'était la Pâque. Une semaine avant la Pâque, tout le monde sait, tout le monde connaît, Jésus, après avoir enseigné, fait des miracles, Jésus est entré dans Jérusalem. Le vendredi de la semaine de son entrée, il a été arrêté. Il a été mis sur la croix. Et 3 jours après le dimanche, où les Juifs devaient fêter des Pâques, Jésus est ressuscité. Et ce jour-là, lorsque Jésus ressuscite, il y a, dans les évangiles, on dit qu'il y a eu des très tôt matin, 3 femmes. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Pourquoi on doit lire? 3 femmes qui ont couru, qui sont allées devant la tombe. Et qui se posaient la question, mais en y allant, dites-moi, on a posé une grosse pierre devant la tombe. Qui va nous rouler cette pierre? J'ai toujours dit, quand toi tu veux avancer avec Jésus, même si tu sais qu'il y a un handicap, que l'handicap ne t'arrête pas. Parce que l'handicap, si dans ton cœur, celui que toi tu veux voir sur le Seigneur, il y aura un ange pour dégager la pierre. Parfois on s'arrête, on réfléchit. Moi j'ai envie de servir le Seigneur comme ça. Mais j'ai envie peut-être de prêcher. Mais moi je ne sais pas parler français. Qui vous a dit que la Bible a été donnée en français? Amen. Qui vous a dit que pour recevoir la révélation, il faut parler bien la langue? Ce que je dis ici, ce que vous écoutez, ce n'est pas le français. Si réellement tu écoutes Dieu, tu écoutes le langage de Dieu. Parce que ce que Dieu te dit, c'est au-delà de ce que moi je te dis. Dieu nous donne des messages au-delà de ce que nous prononçons. Voilà pourquoi qu'aucun obstacle t'arrête. Que tu ne puisses pas réfléchir. Et déjà là, il restaure un peu la manière de penser, l'âme des gens ici. En nous disant parfois, on a envie d'aller loin. Mais on se dit, mais on se pose la question. On nous dit que ces femmes-là, en se posant la question, elles ont avancé. Elles sont allées. Quand elles arrivent, elles trouvent que la pierre était partie. Je te dis que la seule chose que toi tu dois chercher, c'est aller voir Jésus. Aller parfumer la vie. La seule chose, ne cherche pas ce que tu ne peux pas voir. Cherche à voir Jésus. Le reste, il va te le faire. Quand je dis chercher à voir Jésus, c'est que c'est dans tous les domaines, même quand tu veux prier. Mais qu'est-ce que je veux? Mon Dieu, j'ai envie de prier, mais la santé me fait défaut. Si c'est ce que tu veux, tu seras restauré. Je veux te dire la guérison. Et les femmes, quand elles arrivent, elles trouvent la pierre dégagée. C'est l'évangile, les évangiles qui les disent. Ils trouvent un ange assis. Et l'ange confie à ces femmes un message étonnant. Il dit, celui que vous êtes venu chercher ici, il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Vous venez chercher, où est-ce que toi tu vas chercher Jésus? Vous savez, quand on dit que l'erreur que les pierres, les gens et ces femmes avaient commise, pour beaucoup de gens, Jésus est encore dans la tombe.
Pourquoi je l'ai dit? On le voit dans notre comportement. Combien de fois parfois tu as lâché? Tu es devant même une impossibilité. Lorsque tu commences, tu chantes des prières. Oh, Dieu, peut-être c'est ta volonté. Tu sais toi-même que tu n'y crois pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À partir du moment où toi tu penses qu'il y a devant toi des choses impossibles, pour toi Jésus est dans la tombe encore. Parce qu'il n'y a rien, un Jésus vivant peut tout faire. Un Jésus vivant peut donner la vie dans la mort. Un Jésus vivant peut déchirer tous les décrets des scientifiques. Il est capable de tracer des voies nouvelles. Faire pour toi des choses comme il n'a jamais fait pour quelqu'un d'autre. Nous avons des repères. Voilà pourquoi pour nous on dit que c'est impossible, parce que nous on n'a jamais vu. Vous savez, c'est la limite des gens. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui croient que ce que lui n'a jamais vu n'existe pas. Non, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Amen. Et il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore faites. Le fait que tu les as pas vues, je suis capable de le faire. Amen. Et voilà pourquoi cet ange dit, ne venez pas chercher celui qui est ressuscité. Mais quand l'ange donne le message à la femme pour aller raconter aux apôtres qui étaient restés, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, allez dire aux apôtres. Hein? Il dit, donc écoutez, c'est l'ange habillé en blanc, que les femmes ont considéré comme un jardinier. Il dit aux femmes, non, Jésus est ressuscité. Et il m'a laissé pour vous un message. Mais écoutez le message. Allez dire à Pierre et aux apôtres que nous allons nous rencontrer en Galilée. Pierre fait partie de tous les apôtres. Pourquoi est-ce que Pierre a été singularisé, a été mis à part? Pourquoi l'ange, Jésus dit-il à l'ange, dit aux apôtres et à Pierre? Mais Pierre est dans les apôtres. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ici, allez dire aux enfants de la vie nouvelle et à Frère David? Si tu dis ça, c'est comme si lui ne faisait pas partie. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très important. Quelque chose là qui fait la suite. Qui fait la suite du texte qu'on vient de lire. Pourquoi il a posé cette question étonnante à cet homme? Je l'ai dit, Pierre occupait une place spécifique dans le corps de Jésus. Pierre était parmi les intimes. Jésus a fait faire même des exploits par Pierre. Mais Pierre avait beaucoup de bonne volonté. Pierre, c'est comme si quelque part, parce que le Pierre ici ne parle pas que des Simon ou des Jonas, c'est peut-être nous tous ici. Peut-être à la place de Pierre, c'est toi et moi ici. Pourquoi? Parce que Pierre, tellement il a fait des exploits. Pierre, tellement il a pris une place prépondérante dans le corps du Seigneur. Tellement il croyait au Seigneur, il a oublié qu'il était encore dans la chair. Qu'il était encore fragile. Qu'il avait besoin de ne pas oublier à tout moment qu'il y a un ennemi qui rôde. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te faire chuter. C'est de t'envoyer loin du Seigneur. Parce que le Seigneur, avant même ce pourquoi nous allons parler ici, il avait mis à maintes reprises tous ses apôtres en garde. Pour nous dire, faites attention. Faites attention, Satan vous a réclamé. Combien de chrétiens aujourd'hui nous sommes? Nous vivons comme si nous croyons que le diable était mort. Non, Jésus nous révèle que cet homme-là, il est là. Et lorsque lui, il vient, il a des missions dérobées. C'est pour tuer, détruire. Lui, quand il vient là, il sait qu'il n'a pas beaucoup. Il est là, il est présent. Et le Seigneur nous met en garde. Il avait mis les apôtres, il te met à toi et à moi aussi en garde aujourd'hui. Attention, Satan nous réclame pour nous cribler comme le froment. Attention, Satan, comme nous sommes là, le but de l'ennemi, c'est voler notre joie. C'est nous priver, c'est nous pousser dans le mal. Et écoutez un peu la réponse que Pierre était capable de donner. Quand il dit, tous m'ont quitté, Jean 6e chapitre. Et vous, pourquoi vous êtes là? Écoutez Pierre, ce que Pierre dit.
parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est toi le Seigneur. Mais cette personne qui avait prononcé toutes ces belles paroles, bien, cette parole, cette personne en qui le Seigneur avait totalement confiance, cette personne qui a tout simplement basé sa foi sur la bonne volonté que je ne peux pas pécher. Non, attention, tu peux tomber dans une situation où tu te dis que ça c'est moi. Parce que tout simplement tu as manqué peut-être de prudence, tu as manqué de patience, tu as manqué peut-être un peu de caractère. Tu n'as pas su dominer ton moi, ta chair. Amen. 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 Pierre, le jour, le vendredi saint, 3 jours avant la mise à mort du Seigneur, il est avec eux. Il leur dit, cette nuit, moi je serai pour vous une occasion de chute. Pierre vous dit quoi? Pierre se lève, plein de bonne volonté, comme nous aussi, plein de zèle. Seigneur, tout le monde peut t'abandonner, sauf moi. Croyez-vous qu'il mentait? Non. Il disait la vérité. Même toi aussi, quand tu dis que tu ne peux pas faire du péché, là, tu dis la vérité, tu y crois. Mais fais attention. Fais attention à celui qui est debout, à celui qui est debout. Il peut te retrouver un jour dans la chute. Il commence à se poser la question. Les seigneurs, là, les plus on dit dans les évangiles, toi, de côté, à toi les plus, il dit, Pierre, cette nuit ici, moi je serai pour vous quoi? Une autre chute. Mais regardez que lorsque le Seigneur a été acheminé dans la cour du souverain sacrificateur, à trois reprises, Pierre chute. Parce qu'il a réglé le Seigneur. La première fois, on dit que c'est même une femme. On se demande, d'ailleurs, quand on arrive là, quand on arrive, et qu'on maltraite le Seigneur, il sort son épée, il tranche. Certainement que là, il a voulu prouver au Seigneur. Tu disais quoi? Que moi, j'ai interdit. Certainement, c'est comme ça que nous sommes. Quand le Seigneur, même si on a les ailes, on n'a pas envie qu'on montre ses ailes là aux humains, puis les ailes. Amen. J'aime souvent rigoler. On rigole avec elle, mais c'est la vérité. Les gens qui disent, moi maintenant à l'église, moi je ne veux pas m'intéresser à personne. Moi quand je vais à l'église, ce n'est que pour mon Dieu. Mais c'est Dieu là. Moi, quand j'arrive à l'église, tu ne regardes à personne. Moi je ne fais que pour Jésus. Jésus, tu le vois. Jésus, tu peux le voir que dans le cœur de ceux qui sont à côté de toi. Si réellement tu veux voir Jésus, mais montre-le à Jésus avec toi. Hein? Moi maintenant, je traite avec Dieu. Comment tu es devenu qui, toi? Tu es encore dans la chair. Et Pierre réunit le Seigneur, non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois. On le dit que lorsque le coq a. Comment on dit? Le coq fait quoi? Chanter, hein? Il chante, hein? Au moment du poulet, coq, pourquoi c'est bien, c'était moi? C'est pas ici, il n'y a pas de coq, on les attend. Le coq a chanté, on dit que Pierre a non seulement pleuré, il a pleuré comment? Amen. Il s'est mordu le doigt. Ah! Ça, c'est moi qui ai fait ça. Moi qui avais dit que je ne peux pas te trahir. Moi qui avais dit. On dit même que lorsque les ouvriers là sont venus pour dire, mais toi, tu nies. Même ta manière de parler, de trahir. Il a commencé à faire des jurons. Moi, Gaï, ça, mais mon Dieu. Qu'est-ce que tu sais? Et lorsque le coq a répandu, certainement, peut-être, ça c'est moi qui l'ai dit, c'est pas vrai. Le Seigneur peut-être a regardé à Pierre. Oh là 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 là. Amen. Mais lorsque les hommes disent que c'est fini, même si tu as trahi le maître, ce n'est pas fini. Amen. Après que Jésus, tout n'est pas fini. Moi, j'aime analyser tout dans la Bible. Regardez un peu la forme du Seigneur lorsqu'il est sur la croix. Il a les bras ouverts.
pour que quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et cherchez. Amen. Il y a de la place pour tout le monde, quelle que soit la gravité de ce que toi tu as fait. Amen. Jésus peut encore te faire beaucoup de bien. Jésus peut encore, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu n'as pas pu faire jusqu'à présent, que le diable ne te demande pas, il peut encore te restaurer. Il peut encore aller plus loin avec toi. Même maintenant, peut-être que toi, quand je dis ici, tu dis, mais oui, mais le pasteur dit ça. Moi, Pierre, il a renié seulement de trois fois. Le Seigneur lui a pardonné parce que le reniement, ça n'a été qu'une soirée. Non. Parce que Pierre a aggravé la situation. Il a renié, il a pleuré. Mais au lieu de se contenter de ça, Pierre dit, certainement, ce que je fais est impardonnable. Je vais repartir où? À la pêche. Pas c'est tout ce que moi je sais bien faire. Ah! Ne rentre pas pour le manger ce que toi tu as vomi. Cette rencontre ici où le Seigneur lui pose cette question, c'est le jour de cette pêche miraculeuse. Quelle pêche? On a vu la première, la pêche miraculeuse, quand il dit avoir sa langue profonde, ça c'est au début du ministère. Ça c'est la pêche de la restauration. Amen. Ça c'est la pêche pour montrer, même si tu as pêché une fois, deux fois, trois fois, même si ton péché est rouge comme la cambasie, il y a le seul qui peut te transformer et le rendre encore plus blanc que la neige. Et lorsqu'il te restaure, c'est même si tu as fait des exploits, il va te faire encore des exploits beaucoup plus grands que les fait. Et ça, c'est Jésus. Ne regarde pas au raisonnement humain. Quand il restaure l'âme, mais ça, c'est. Les choses sont impossibles maintenant. Il n'y a rien qui est impossible maintenant. C'est impossible parce que notre cerveau est une viande limitée. Mais Dieu n'a pas de cerveau, il est infini. Alors ses méthodes sont aussi infinies. Pierre rentre, il rentre à la pêche. Si nous lisons le début de ce chapitre qu'on vient de lire ici, on dit que toute la nuit, Pierre a eu les yeux rouges le matin. Même pas une petite satine. Même pas une petite satine. Maintenant imaginez-vous. Quel pouvait être l'état d'esprit de Pierre lorsque Jésus l'a ramassé? Vous savez que quand j'ai dit que l'appel de Pierre a été nous enseigne, parce que c'est comme un accident, parce que lorsqu'on lit les évangiles, c'est son frère André qui avait été disciple de Jean le Baptiste. Et parmi ses disciples-là, lui a été recruté par Jésus. Et c'est lui qui est allé prendre Pierre, son frère, pour le présenter au Seigneur. Mais regarde, il présente, lui a occupé la place plus qu'André. Beaucoup d'entre nous, si on demande les noms d'André, ils ne connaissent pas. Tout ça pour dire quoi? Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu es à Jésus. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vas chercher à occuper comme place avec toi, Jésus. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas qu'aujourd'hui, oh, tel pasteur, il connaît beaucoup de passages. Il peut en connaître, mais dans la chair. Toi, tu peux connaître deux versets, d'avoir Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. Parce que quand Jésus est dans ton cœur, tu as toute la Bible. Et tu as tous les versets. Le comble des versets, ce n'est pas de réciter. Le comble, c'est de les vivre. Il y a beaucoup de gens qui vivent les versets sans même connaître ces versets de la Bible. Mais on regarde, il les vit. Il ne vole pas. Il ne sait pas où ça se trouve. Qui a écrit? Mais il vit. Celui-là, il a la place avec Jésus. Amen. Quel pouvait être? Pierre a aggravé. Il a régné. Il est rentré. Mais regardez comment le Seigneur meurt. Le Seigneur pense que j'ai encore des choses à faire avec Pierre. Voilà pourquoi il vient, si nous lisons le début du passage, on dit qu'ils ont les yeux tout rouges, ayant pêché toute la nuit, ils n'ont attrapé pas un seul poisson. Mais quand ils jettent, ils voient un homme, ils voient un homme qui est à côté de, sur la rive de la mer de Galilée. Il est bien écrit, si vous voulez, on peut lire dans le passage au début, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que Jésus, j'ai beaucoup de gens, Jésus ressuscité, voilà pourquoi je dis Jésus le Christ, on ne le voit pas avec les yeux physiques, on le voit avec les yeux spirituels. Jésus est ici. Est-ce que toi tu le vois? Le plus gros, parce que Jésus, on te le montre, tu ne
que c'est les disciples qui a dit, cet homme-là, c'est le Seigneur. Jésus l'a ressuscité, on le voit par rapport à, il est là où sa parole est. Amen. Il est là où on voit sa vie se manifester. Jésus n'est plus physique. Voilà pourquoi même on dit aux enfants de Dieu qu'il n'est pas allé n'importe où. Il n'est pas fait n'importe quoi. Jésus est ici. Ne regarde pas ce que moi je dis. Non, Jésus est là. Est-ce que tu le reconnais? Il le laisse. Il pêche. Lorsqu'il échoue, c'est alors qu'il dit, maintenant, vous pouvez... Là, il n'utilise pas. Avançant le profond ou bien. Ici, c'est quoi qu'il avait dit? Non, jetez le filet du côté droit. Amen. Amen. Au profond de ça, c'est le début. Ici, il leur dit, jetez, il leur donne serrément. Hein? Jetez le filet du côté droit. On dit qu'ils ont ramassé du poisson. Il a fait le miracle du feu. C'est pas ça. C'est pas ça. L'objet, on pourrait voir ça à d'autres occasions par rapport à notre message. Voilà pourquoi il pose cette question piège à toi, l'Église. Pour lui dire, non pas pour l'embêter. Voilà pourquoi Jésus nous pose cette question. Est-ce que tu l'aimes? Parce que Jésus, quand il lui dit, paie mes brebis, c'est qu'il dit, je vais repartir avec toi à zéro. Je veux signer avec toi un contrat nouveau. Il a dit ici aujourd'hui, dans ce culte, avant qu'on passe à la Sainte Cène, des gens qui veulent repartir à zéro avec Jésus. J'ai dit ici que Jésus, avec Pierre après, si nous lisons le livre des Actes, les miracles que Dieu a fait faire à cet homme après la restauration, avec le nouveau contrat, ont été meilleurs. Voilà pourquoi je vous supplie, frères et sœurs, même ceux qui nous écoutent sur le Zoom, nous allons nous mettre debout. Jésus, quand il dit paix les brebis, ça veut dire qu'il veut t'accorder une seconde chance. Il veut recommander des choses nouvelles avec toi. Il veut repartir avec toi de zéro. Nous sommes le premier jour du mois et ce jour par la grâce de Dieu tombe un dimanche. Nous voulons avoir un nouveau départ avec le Seigneur.